Épisode 14 de mon let's play Crusader Kings 2 avec la Bretagne, le royaume de Bretagne. Alors je venais de finir par prendre deux comtés, Mortain, Dorset. Et j'étais parti, je me demandais si j'allais organiser le tournoi, je l'ai toujours pas fait parce que le règne d'avant il a bugué. Alors, en même temps, je vois autre chose qui me plaît pas trop. Pourquoi Jérusalem, là, est en plein milieu de mon territoire? Jérusalem est en guerre contre la France. Bon, a priori, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai les deux baronnies là encore à récupérer. Cloyes et Lavardin. Cloyes et Lavardin, il me semble que c'est en Vendôme. Voilà, ici et ici. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir le comté et son château. Par contre, ce que j'aimerais bien commencer à faire, c'est la guerre contre. Alors là, j'en suis. Je suis à moins 1, c'est parfait. La guerre contre l'Écosse. Alors, on va commencer par Connard. Connard. Bah, c'est parti, on va pas faire de détails. De toute façon, c'est à moi. J'ai les troupes qu'il faut, je pense. Ça devrait pas me poser de problème. Ça va pas me suffire. Dix mille, un rapide calcul, ouais, c'est bon, là je suis largement bon. Alors le roi d'Écosse est déjà en guerre, hein, donc je pense pas qu'il va faire grand chose. À mon avis, c'est du tout cuit. D'ailleurs, je vais même pas économiser pour les mercenaires. Je dirais qu'il y allait, je vais investir. Quel comté ça? Comté of Saintonge. Ah oui, bah, ils étaient en guerre, donc classique. Je vois qu'il y a des guerres un peu partout là. Ouais, ça c'est pas grave. Ah, j'ai oublié 2600 hommes là. Bon, tant pis, tant pis. Alors ici, je vais quand même intervenir. Je vais pas le laisser avoir deux comtés. Il a fait la guerre un peu pour rien là. Lui, c'est parfait. Je lui donne. C'est qui? Mon frère. Je lui donnerai le territoire dès que je l'aurai gagné. C'est-à-dire très bientôt. Ah, j'ai gagné un nouveau chancelier, beaucoup plus capable. Qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Je vais lui demander d'améliorer les relations pour l'instant.
Ok. Et enfin, le dernier territoire. Alors, il va peut-être pas accepter la paix tout de suite, bien sûr. Non, il accepte pas, je m'en doutais un peu quand même. Mais ça devrait plus tarder. Il va même pas bouger là, il est sûr. Ça, c'est fait. 47%, peut-être qu'au-dessus de 50, il acceptera. Comme il est en guerre, à mon avis. Non, toujours pas. Alors, on va continuer. Ça me coûte beaucoup d'hommes, hein. J'ai déjà perdu au moins 4000 hommes. Après, on va faire une petite pause quand même. Il va falloir laisser remonter le nombre de soldats. Parce que j'ai des guerres potentielles contre l'Angleterre et la France qui vont m'en vouloir quand même de leur grignoter des territoires au fur et à mesure. Donc faut que je me méfie. Il faut que je sois prêt à tout moment à survivre à une guerre contre une de ces deux royautés. Surtout que ça reste quand même des gros adversaires. Là, je pourrais pas attaquer tout de suite. Déjà 7000 hommes de perdu. Ouais, je suis cuit là. Par contre, ce que je vais faire, je vais intervenir ici. Parce que là, voilà, il y a un territoire à prendre qui va pas me coûter très cher. C'est un peu opportuniste, mais c'est pas grave. Je savais qu'il allait pas me coûter cher puisqu'il venait d'être conquis, donc le temps que les hommes reviennent, enfin que la... Comment s'appelle? Que le nombre de troupes remonte, il y a toujours un moment où il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Qu'est-ce qu'il fait dans mon territoire, lui? Ah, il est au repos, entre guillemets. Là, je peux pas tout à fait intervenir. C'est limite, je pourrais peut-être. Ça me coûtera très cher si j'attaque là. Donc je vais attendre. C'est pas dramatique pour l'instant. J'ai une belle somme d'argent là. Je vais investir dans Nantes. Et dans Saint-Paul. Là, ça va passer à 100% dès que j'aurai pris, voilà, le territoire. Ok, parfait. Donc lui, il retourne à la maison. Lui, bien sûr, il va pas trop m'aimer parce qu'il a pas de territoire, mais on va arranger ça. Non. Tant qu'il me le demande pas, on va pas lui réclamer. Ça augmente mes revenus d'avoir un comté de plus. Ça augmente mon prestige. C'est 0,1, je crois, ouais, par comté possédé, il me semble. Je suis pas... Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Alors, le petit truc à faire, lui, on va lui révoquer son titre. Il va rien dire. Ça, il est navré qu'on lui ait révoqué, mais il dit rien. Et du coup, on va le filer à mon frère, Saint-Onge. Saint-Onge. Voilà. Donc là, il va m'aimer un poil plus. Ouais, pas vraiment, pas énormément plus, mais bon.
Lui, par contre, ne va plus du tout m'aimer. Ça fait déjà le deuxième titre que je lui révoque. Ou alors, non, je croyais que c'était moins. Ah non, je me suis pris moins 80 d'un coup. En fait. Franchement, je m'en fous. S'il veut se révolter, il a qu'à se révolter. On mettra ça en vitesse. Par contre, c'est oui, il n'est plus à ma cour. Tant pis pour moi. Alors, le duché de Connard. Je vais le piquer. Je vais le garder pareil pour l'instant. Du coup, ça me donne un casus belli contre l'Écosse. Là, pour l'instant, je vais pas pouvoir déclarer la guerre parce qu'on est en trêve. Ici, où ça en est? Elle, normalement, je devrais pas pouvoir lui déclarer la guerre. Ah oui, j'ai plus de casus belli contre elle. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Roi de France, est-ce que j'ai une opportunité intéressante? Comte de Lusignan, c'est mon vassal, ça. Angoulême, c'est là. Pas ça, ça m'intéresse pas. Je vais rien avoir d'intéressant contre la France, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dit pour l'instant, il faut que je me calme. Je vais attendre un peu d'abord que ça diminue. Je dois être oui, ça a un peu augmenté. Et ensuite, je vais attendre de voir. Ah, il me faut un gardien. Un breton. Ouais, ça va. Je vais attendre de voir si bien l'Angleterre, là. C'est un peu le bazar. Ça. Oula, le roi est en prison. En effet, c'est un peu le bazar. Du coup, il perd une guerre, il perd l'autre guerre, il perd la troisième aussi, il perd toutes ses guerres. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose? Peut-être par exemple sur ce territoire-là. De faire un casus belli sur ce territoire là et de le choper discrètement. Ah, lui il m'aime pas hein, c'est clair. Et elle, je sais pas pourquoi elle m'aime pas. La France est en guerre perpétuelle contre Jérusalem. Est-ce que je peux faire la guerre à l'Angleterre? Ah mais je suis en trêve contre eux, forcément. Ah lui il est de ma famille, non? Oui, il est de ma famille. C'est où le wiki? Putain.
est où l'église? Je suis devant lui, par contre je suis derrière sur tous les autres. Donc je vais passer un peu plus de temps à essayer d'améliorer mes relations. Alors je vais tenter le tournoi. Avant, je vais annuler ça. Je tente le tournoi. Je sens que ça va bugger. Mais bon, tant pis. Fixé sur le bug. Alors le gagnant, ok. Le deuxième, le troisième. Ah, ça a pas bugué. Alléluia. Très bonne chose. J'essaye de devenir un paragon of virtue, par contre je suis très lent. Non, un 73 c'est pas si lent que ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter ma piété? Summerfare. Non, Summerfare, zut, je crois que c'est le prestige que ça augmente. On va voir. Ah, ça va mieux quand je mets le temps. Alors. Pas trop l'intérêt. Ça m'a rien apporté de significatif. Si c'est du prestige, j'en ai pas vraiment besoin. Alors. Ça m'embête quand même ces deux territoires là qui sont pas à moi. À part faire la guerre à la France, je vois pas quoi faire. Et faire la guerre pour une ville et une église, ça me tente pas. Alors mon héritier, il est pas top, il a rien d'intéressant. Ah mais c'est pas la joie. Hein. Bon, j'ai intérêt à lui donner une femme. Réfléchissons. Il y a la première quoi, mais elle a 32 ans. C'est un peu âgé quand même. La deuxième, elle a 22 ans, mais elle est orthodoxe. La troisième, elle a 25 ans. Elle est anglaise, malheureusement. Il y a celle-là, 17 ans. Elle n'a pas vraiment de défaut, hein. Elle n'en a même aucun.
Allez, c'est parti. Elle est catholique, oui. Alors du coup, il faudrait que j'arrive à conquérir un territoire, ou alors je donne Connacht. Ce serait plus sympa d'arriver à conquérir un territoire. Alors, on est toujours en trêve. Là, si le roi si le roi est pas mort, on est toujours en trêve. La France, j'ai pas envie de l'attaquer. Pour l'instant, il n'aura pas de territoire. Ouais, accepte. C'est 400, c'est 200 de gold un peu gratuite. Surveiller. D'abord là il est pas mort. Là il est pas mort. Les guerres ça donne quoi? Hyper. 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 De peu à chaque fois. Est-ce qu'on a d'autres possibilités de déclarer la guerre? Qui c'est lui? Mon oncle. Ah non, mais mon oncle. Je peux pas trouver des territoires à tout le monde, moi. Faut se calmer. Je suis pas le Père Noël. Alors, si mon règne commence à être assez long, je vais essayer de trouver des conseillers un peu plus performants. Par exemple, là, il m'en faut un au-dessus de 13. Et il n'y en a pas. Il y a lui à la rigueur. Il a 14 de justesse. Non, il ne me rejoindra pas. Oula, par contre, là, il y a du gros. Il y a du gros, mais il n'y a personne. Si, peut-être lui. Non, il me rejoindra pas. Ah, puis il est très loin. D'accord. Ouais. Steward, c'est déjà pas mal. Donc non. Espion, ça vaut pas trop le coup vu la vitesse où les espions meurent. Peut-être essayer celui-là. Non, il est très loin. Il n'y a personne pour me rejoindre. Je pourrais essayer à l'extérieur de mon royaume, mais bon. Déjà, si j'arrive pas à l'intérieur, je vois pas comment je pourrais y arriver à l'extérieur. Est-ce que je peux lui demander les territoires qu'il a à moi, lui, par exemple? C'est bien dommage. Allez, est-ce que la France, on est à 9% du territoire? Ah, le royaume d'Aquitaine n'existe plus. Merde, c'est quoi ce délire? Là, on va prendre celui-là.
royaume d'Aquitaine, pourquoi il n'existe plus? Duché, Kingdom. Ah si, il existe encore. J'en ai combien? J'en ai 40%. Ah, c'est parce qu'il s'est fait couper en deux par, d'accord, par la France. Mais 40%, c'est pas mal en fait. C'est pas assez, bien sûr. Je pense pas que ce soit assez. Non, c'est pas assez, je crois pas. Faut que j'ai 50%, il me semble, oui, c'est ça. Du coup, si je prends un de ces deux, je vais me rapprocher des 50%. Par contre, j'ai pas de casus belli. Hein, quoi? Ah non, mais j'en ai trois contre moi, là. Oh, les chiens. J'avais pas l'intention de faire une guerre maintenant, quoi. Alors ça, ils vont le payer. Bateau, ça va pas me suffire. Il m'en faut encore juste un tout petit peu plus. Il m'en faut. Putain, là, lui. En fait, ça m'arrange peut-être cette guerre. J'avais dans l'idée de lui reprendre le duché, ce qui me permettrait à lui de lui reprendre le comté. C'est un peu compliqué, mais c'est peut-être une bonne solution. On va voir si c'est faisable. Qui c'est qui m'a redéclaré la guerre en plus? Ok, c'est ici. Je vais recruter des mercenaires tout de suite plutôt que d'attendre. J'en ai pas besoin de beaucoup. Essayer de faire vite.
d'hommes dans le territoire, là je vais attaquer. Est-ce qu'elle accepte? Non. C'est des gros territoires hein, avec quatre, avec deux châteaux. Est-ce qu'elle accepte à 33 la paix blanche? Non. J'attends un tout petit peu. Allez, c'est parti. J'ai deux territoires qui vont tomber, donc yes. Je vais avoir le bonus pour avoir écrasé une rébellion majeure. Là, j'ai un breton. Ici, j'ai un breton. Ah, ils sont pas bretons, ça me dérange. Ah, je peux usurper le duché de... J'avais pas vu ça tout à l'heure. Alors, d'abord les conseillers. Non, d'abord les prisonniers. Je dois... Les complots vite fait. Voilà, ensuite, les prisonniers. J'ai un duc que je ne vais pas libérer, sauf si elle peut payer. C'est-à-dire bientôt. Par contre, j'ai un prisonnier, mon oncle, que je vais libérer. Stewart, je vais là. En plus, il était déjà Stewart et il s'est rebellé. Chiant. Je lui révoquerai bien son titre à cette pétasse. Façon, est en... Alors, par contre, si je révoque son titre, ça va immédiatement la libérer. Hein, ça, c'est clair. Mais si je le révoque, c'est pour le donner à qui, quoi. Comment est l'opinion de tous mes vassaux en général? Elle est bonne, sauf lui, mais lui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi il est aussi mauvais, lui? Ah, il est ambitieux. La petite raclure. Ah, dur. Alors, je vais faire ça. D'abord, elle, je la révoque. On s'en fout, elle m'aime pas. C'est une connasse. Ah, elle est toujours en prison en plus. Bon, bah, elle va y rester. Elle, du coup, normalement, c'est devenu ma vassale. Ok. Donc je vais révoquer. Peut-être que je vais pouvoir. Ouais, parfait. Mortain. En plus, ça va pas être compliqué, je pense. Si? Ah si, ça va être compliqué, personne ne m'aime. Personne pour me soutenir quoi. Alors, elle, je vais demander les 70 gold.
vieille conne. Elle a perdu son duché à force de faire la maline. Alors, personne ne me soutient. On va essayer de changer ça. Par exemple, lui, on va lui donner ça. Est-ce que ça suffit? Bien sûr, ça suffit pas. Elle, on va lui donner ça. Est-ce que ça suffit? Ça suffit pas. Lui, on lui a déjà donné de l'argent. C'est définitif, il m'aime pas. Lui. Ah, lui, il m'aime déjà, mais il veut pas me soutenir. À la rigueur, comment je pourrais faire? On va attendre un peu avant de trouver une solution. Je vais usurper son titre à elle. Je pensais pas pouvoir, mais ce sera parfait. Ça évitera que l'Angleterre ait un casus belli en plus contre moi. Du coup, je vais avoir un duché de trop. Ouf, j'ai beaucoup plus qu'un duché de trop. J'en ai 4, il m'en faut 2 de moins. Comment faire? Je vais donner à mon fils, je vais donner le territoire que j'avais en réserve, connard. Je vais aussi lui donner le duché de connard. Voilà. En plus, à lui, je vais lui donner le duché de Somerset. Voilà. Et du coup, là, je me dis que ça augmente peut-être ma cote. Ah non, que dalle. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils m'adorent pourtant. Je comprends pas. Il y a une révolte là. Ouais, c'est pas grave. Je trouve qu'il y a beaucoup de révoltes quand même. Lui même pas forcément. J'essayais d'améliorer nos relations. Lui, je lui trouvais un tuteur breton qui m'intéresse. Je fasse absolument ce que j'arrive à révoquer ce comté. Ah, au mois de novembre, j'organiserai une fête. Putain, mais personne. Ouais, je vais passer plus vite le temps. Là, faut que j'attende le mois de novembre pour organiser la fête. Essayer de trouver. Même mon fils, il me soutient pas. Non, on aura tout vu. Quel ingrat. C'est
quoi cette histoire là? Qui c'est qui m'attaque? Ah oui, c'est ça. On s'en fout. Je ne participe pas à cette guerre. La reine finit par m'aimer. Ah mais je vais même pas pouvoir organiser de fête. Je suis en guerre. Il me semble qu'on peut pas quand on est en guerre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah non mais elle rigole. Je viens déjà de la virer, c'est pas pour lui redonner dans la seconde. C'était une punition, tout ce qu'il y a de plus mérité. Alors on va lui proposer un roi. Le plus près, lui. Ah non, Keeper of the Swarm, c'est plutôt le titre pour une femme, ça. Ah, j'ai plus aucune femme duchée, duc, duchesse, pardon. En fait, elle m'aime pas trop mal, ça va. Cinq. Il est gourmand lui. Ah, je merde, je suis déjà à 100. Oups. Il n'y a pas photo, hein. Ils m'aiment tous, mais ils veulent pas participer à mon complot. Quoi lui? Là, ce qui m'ennuie, c'est que je peux pas faire de tournoi, je suis en guerre. Ou alors, je révoque purement et simplement. Oh, nice. Je peux révoquer purement et simplement le titre. Ça m'embête un peu. À la rigueur, voilà ce que je vais faire. Ah, si, 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 j'ai une idée. Je lui révoque Mortain. Ça, elle va pas m'aimer. Ah, mais je peux pas. Le royaume d'Angleterre. Ah merde, ça fait peur. C'est deux jours dans le royaume d'Angleterre, je peux pas le révoquer. Parce que ce que je faisais, je lui révoquais Mortain et je lui donnais le duché. Elle m'en aurait pas trop voulu. L'un compensant l'autre. Ça me va quand même. Ça me donne peut-être. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça me donne de la piété. Du coup, là, je carbure en piété. Toujours personne. La crise. Par contre, là, je suis bien. Je suis à 100 partout. C'est pas mal. Hein. Du coup, je vais pouvoir le mettre à rechercher la technologie.
69, mais elle m'adore en fait. Formidable. Du coup, on va la mettre à travailler à autre chose. Alors, on va dépenser un peu d'argent. Poitou, Poitou, c'est ici. Du coup, lui, il va m'aimer pas trop mal. Ouais. Toujours personne ne vote pour moi. Je peux faire la guerre à Winchester. Oui, forcément, il n'est pas indépendant. Est-ce qu'elle gagne toujours la guerre? Mais il gagne, donc je pourrais prendre Winchester. Ça se fait, je pense. Ils sont en guerre depuis tellement longtemps. J'ai quoi d'autre comme casus belli? J'ai ça. Oui, j'ai ça forcément. Par contre, on doit être en trêve. Oui, on est en trêve. Et elle, on n'est pas en trêve. Ça m'étonne. Ah non, en fait, elle est plus en rébellion. Elle. Ok. Alors. Oui, il y a cette histoire que lui aussi je dois le révoquer. Mais je peux pas, oui, c'est vrai. Tant que le duché de... Comment il s'appelle? Tant que le duché de Cornwall existe, Cornwall, je peux pas révoquer ce comté-là. Ils veulent pas là. À la rigueur, faudrait que je la fasse excommunier. Non, on peut pas. Faudrait que je la fasse emprisonner. Non, je peux pas. Ah, une guerre en moins. Je vais peut-être bientôt pouvoir organiser ma fête. Je sens que je vais craquer, je vais finir par la révoquer celle-là. Ah oui. Ah mais pourquoi tout d'un coup il y en a plein? Ça va peut-être devenir bon. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ah il n'y en a pas d'autres. Il faut que j'atteigne 80%. Ok. Ça, je vais annuler tout ça.
ce qu'il y a, c'est que oui, ils sont tous à 100%. Comment je pourrais lui pourrir la vie? Pardon. Comment je pourrais lui pourrir la vie à celle-là? Ouais, il m'adore aussi, lui. D'accord. Il n'y a vraiment pas moyen. Ah, la France en guerre. J'essayais de conquérir Tours. Après Vendôme, c'est la suite logique pour avoir le duché de du Berry. Ah non, c'est Blois qu'il me faudrait. Oh, c'est pas grave, je reste sur Tours. Ah lui, il est à 16%. Pourquoi aussi élevé, je sais pas. Pourquoi est-il aussi élevé? Parce qu'il a deux comtés, le petit. Alors lui, ça va pas se passer comme ça. Ah, je peux pas lui enlever son comté, mais. Dès que j'aurai l'occasion, je le ferai. Ah, stop, stop, stop. Bonne nouvelle, c'est bon. Ok, allez, révocation. Réclamer la guerre qui de toute façon sera perdue quoi qu'il arrive. Alors combien de bateaux? 109. Combien d'hommes? Ah, du coup, là, je me bats contre eux, là. Pff, ah non, c'est bête, ça. Perdre des hommes pour rien. Je crois qu'il va direct monter dans le bateau, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Enfin un peu d'action, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait rien fait. Parfait. Ça, on s'en fout. Il va finir par perdre la guerre, mon allié, là. Non, je veux toujours pas. Qui était la tutrice de mes deux enfants.
Elle et les Bretonnes, ça tombe bien. Toujours pas de paix envisageable. On va continuer. 44 seulement. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Toujours pas de paix. En plus, après, je vais lui donner le duché. Je sais pas pourquoi elle continue à m'emmerder. Toujours pas de paix. Ça, évidemment, on peut pas le savoir que je vais lui donner le duché, mais bon. C'est pourtant la stricte vérité. Ah, Aragon Vertu. Ça, j'aime bien. Une ambition de plus de fait. Alors, je vais améliorer l'intrigue. Toujours pas de paix. Peut-être là la paix. Yes. Voilà, une ambition de réaliser. Et du coup, comme je lui avais promis, elle, elle est à 41, elle, elle est... Elle est à 5, mais elle m'a trop énervé. Donc voilà, je donne le duché à elle, ça lui apprendra. Une bonne chose de faite, j'ai rétabli l'ordre. Elle, enfin lui, pardon. Je vais le libérer. Ça, je vais y mettre fin. Alors maintenant, deuxième chose, lui, je vais le révoquer. Est-ce que je peux me permettre de le révoquer? Oui, j'aurai moins 20, donc j'aurai pas grand monde dans les négatifs. Donc je le révoque. Je vais voir tout de suite après. Je devrais avoir un nouveau complot disponible. J'ai bien fait mes petits calculs. Ah, pourquoi je peux pas? Peut-être Zut, je vais pouvoir révoquer lui. C'est bête ça. C'est pas grave. On va aussi le révoquer. C'est le Dorset. Ah non, il fait partie du royaume d'Angleterre. Ah zut. De chez Zut. C'est qui ça? L'Angleterre, c'est où? C'est là, c'est... Je le vois pas, le roi d'Angleterre, il est où là? Il est où le roi d'Angleterre? Oh là, il est là. C'est pas bon ça. Duc de Somerset. Ouais. Allez, je vais arrêter la vidéo ici. J'avais un peu oublié le temps. J'essaie juste de me trouver un petit truc à construire. Voilà. J'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour la numéro 15.